Je crois à la Sainte Église catholique. Continuons, si vous le voulez bien, à développer la notion d'autorité dans l'Église. Nous avons parlé la dernière fois de la constitution de l'Église, qui repose sur un double pouvoir, pouvoir d'ordre, pouvoir de juridiction. Et cette constitution fait que le pape seul a l'autorité et les évêques ont une véritable autorité dans l'Église, mais en dépendance du pape. Comment s'exerce ou quelle est l'autorité qui est dévolue au pape? Autrement dit, quelle est la fonction du pape? Qu'est-ce que c'est qu'être chef de l'Église catholique? Redisons-le, à défaut de nous répéter, il y a une triple autorité qui a été donnée aux apôtres en raison d'une triple mission, autorité doctrinale, autorité sacerdotale, autorité gouvernementale, enseigner, sanctifier et, en dépendance de ces deux-là, gouverner. Cette autorité vient de Dieu, de notre Seigneur directement, et finalement, c'est là encore, cette autorité n'est que la continuation de notre Seigneur. Notre Seigneur a enseigné, il est le docteur par excellence, et on le voit à l'âge de 12 ans au temple en train d'enseigner, il est le docteur par excellence, mieux encore, notre Seigneur est la vérité, c'est la vérité. La deuxième personne de la Sainte Trinité, notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu, le Fils, c'est la vérité, le Verbe, la parole de Dieu. Donc on peut même dire, notre Seigneur est avant tout vérité, doctrine, docteur. Notre Seigneur est donc venu pour enseigner. Notre Seigneur est véritable pontife. Il est le prêtre par excellence depuis sa conception dans le sein virginal de la très sainte Vierge Marie, au jour de l'Annonciation. Il est déjà prêtre pour l'éternité. Et ce pontificat, il exerce de façon suprême sur la croix, où il réalise véritablement et étymologiquement l'œuvre du pontife, c'est-à-dire qu'il est le pont, celui qui établit le pont entre Dieu et les hommes. Il est donc le véritable pontife qui fait monter les prières des hommes à Dieu, mais qui fait descendre les grâces de sanctification de Dieu aux hommes. Docteur, pontife, notre Seigneur est roi. Je suis roi, tu l'as dit notre Seigneur Ponce Pilate. Il est roi, donc il a une véritable autorité pour gouverner. Mais attention, cette autorité de notre Seigneur qu'il va transmettre avec ses deux autres pouvoirs, qu'il va transmettre à Saint-Pierre et aux successeurs, ne leur a pas été dévolue à ses successeurs pour faire n'importe quoi. Quand notre Seigneur affirme qu'il est roi, il ajoute aussitôt, et c'est très intéressant, « Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité ». C'est Saint Jean qui le note dans son évangile, et c'est dans la même réponse que notre Seigneur fait à Pilate. « Oui, tu l'as dit, je suis roi. Je suis venu, je suis né dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque écoute ma voix est de la vérité. » Donc on voit, et c'est très intéressant, que le gouvernement et la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ est ordonné à la vérité. Et là donc, on a finalement toute la définition de l'autorité des papes, autorité de notre Seigneur transmise au pape qui est le vicaire, autrement dit qui tient la place de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez pourquoi donc le pape ne peut pas faire n'importe quoi, en ce sens qu'il n'a pas une autorité par laquelle il pourrait décider ce qu'il voudrait. Non, comme il est vicaire, il doit, on peut dire, se mouler autant que possible à notre Seigneur Jésus-Christ et exercer son autorité en fonction de ce que notre Seigneur veut. Gouverner comme notre Seigneur le veut, enseigner la doctrine de notre Seigneur et être le véritable pontife intermédiaire entre Dieu et les hommes, celui qui dispense les grâces. Or, notre Seigneur dit « Je suis né dans le monde pour rendre témoignage à la vérité ». La première fonction du pape, c'est d'être docteur, c'est une fonction doctrinale, celle par laquelle il continue de transmettre la vérité révélée par notre Seigneur Jésus-Christ. Car la vérité de l'Église, la vérité qui est le trésor de l'Église, ça n'est pas la vérité d'un homme, c'est la vérité de Dieu. Dieu seul a pouvoir sur cette vérité. Dieu seul peut révéler cette vérité. Le pape n'en est que le gardien et le défenseur. Gardien et défenseur de la vérité révélée. Or, on dira, mais il y a eu de nouvelles vérités au niveau du temps. Non, il n'y a pas eu de nouvelles vérités en ce sens qu'un nouveau dogme aurait été inventé. Il y a une nouvelle explicitation d'une vérité qui était déjà contenue implicitement, mais pas encore assez découverte.
Il y a une explicitation de la vérité, mais il n'y a pas l'invention d'une nouvelle vérité, comme la création d'une nouvelle vérité ou d'une nouvelle loi. Il y a une explicitation, c'est-à-dire une exposition de la vérité toujours plus claire, toujours plus apparente. On révèle ce qui était caché, mais ce qui est contenu dans la révélation déjà. Le pape est donc le gardien et le défenseur de la vérité révélée. C'est pour cela, et uniquement pour cela, qu'a été donné au pape ce charisme de l'infaillibilité. L'infaillibilité a été donnée au pape pour pouvoir conserver et développer les vérités contenues dans la révélation. Le pape n'est pas infaillible de façon permanente. C'est-à-dire que l'infaillibilité du pape n'est pas comme une espèce de manteau ou qualité qui serait inhérente au pape de façon habituelle. L'infaillibilité, c'est une action transitoire et temporelle du Saint-Esprit sur le pape, par laquelle elle garantit au pape l'infaillibilité d'une vérité, c'est-à-dire la certitude de la vérité, tout simplement. Cette infaillibilité porte sur des objets de foi, de morale, et n'est donnée au pape que dans ce but, d'imposer à tous les chrétiens du monde entier une vérité comme étant révélée, c'est-à-dire comme étant contenue dans la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette infaillibilité pontificale a été utilisée, peut-on dire, la dernière fois par le pape Pie XII, lorsque, au monde entier, il a proclamé le dogme de l'Assomption, qui était contenu de façon implicite. Ce n'est pas une nouvelle vérité qu'il a inventée, c'est une vérité déjà contenue de façon implicite, et dans l'Écriture et dans la tradition, nous avons vu ces deux sources de la révélation. Et s'appuyant sur les Écritures, s'appuyant sur la tradition, le pape Pie XII a mis en valeur, si l'on peut dire, il a comme soulevé cette vérité déjà contenue dans le dépôt révélé pour la manifester au monde par son infaillibilité. Action du Saint-Esprit transitoire sur le pape qui garantit la certitude d'une vérité comme révélée par Dieu et contenue dans la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ, laquelle révélation est close, c'est-à-dire terminée, à la mort du dernier apôtre, Saint Jean. Voilà pour la première fonction du pape, fonction doctrinale, par laquelle il se fait le docteur et en même temps la lumière du monde qui vient éclairer les hommes à la suite de notre Seigneur, lumière de lumière, comme nous disons lumen des luminés, lumière de lumière. Et c'est en fonction de ce pouvoir doctrinal que le pape a un pouvoir de gouvernement. C'est en fonction de la doctrine et pour la protection et la propagation de la doctrine sacrée, révélée, que le pape fait des lois, régit la discipline, institue des évêques et en même temps bien réunit, s'il le veut, des conciles, comme ça s'est fait souvent dans les premiers siècles de l'Église, pour protéger la doctrine. Voilà donc pour l'autorité de l'Église. Peut-être pour aller un peu plus loin, eh bien, disons que les évêques ont aussi une véritable autorité dans l'Église, véritable autorité d'enseigner, de sanctifier et de gouvernement. De droit divin, ils ont cette autorité pleine. Mais il est vrai que les évêques, en matière d'enseignement, s'en remettent habituellement au pape, pasteur de tous les pasteurs. Il n'en reste pas moins vrai qu'ils ont un véritable pouvoir d'enseignement, de sanctification, de gouvernement dans leur diocèse. Le pape, lui, a l'autorité de façon principale et absolue dans l'Église. Les évêques ont cette autorité de façon secondaire et en dépendance du pape, mais réelle. Alors après, dans l'Église, entre le pape et les évêques, il y a différents titres honorifiques, différentes autorités, osera-t-on dire, en fonction des lieux, en fonction des temps. Donc différents mots qui seront utilisés dans le jargon ecclésiastique, si l'on peut dire. Parlons tout d'abord des conciles. Les conciles sont, de façon générale, des assemblées d'évêques. Il existe deux sortes de conciles. Il existe les conciles écuméniques, qui rassemblent tous les évêques du monde entier, et c'est le pape qui rassemble les évêques.
Et les évêques qui sont rassemblés et invités par le pape tiennent à ce moment-là leur autorité universelle du pape lui-même. Ils se réunissent pour décider d'une vérité. C'est les conciles écuméniques ont toujours défendu les vérités et les dogmes de notre foi. Il y a ensuite d'autres conciles qu'on appelle les conciles particuliers ou provinciaux qu'un évêque métropolitain peut réunir avec les différents évêques de sa province. Ces conciles particuliers n'ont pas la même autorité que les conciles écuméniques. Et puis ensuite, dans l'Église, il y a, si je puis dire, comme un tas de grades qui peuvent exister, beaucoup de titres qui ne sont pas simplement honorifiques, mais qui traduisent parfois une certaine mission dans l'Église. Nous avons parlé du pape, pasteur suprême, et nous avons parlé des évêques. Chez les évêques, par exemple, on distingue les évêques qui ont une véritable juridiction, des évêques qui n'ont pas de juridiction et qui ne sont simplement des évêques titulaires. On entend aussi parmi les évêques parfois le nom de patriarche ou de primat. Ce sont des distinctions honorifiques, souvent liées pour les patriarcats à des églises qui ont eu un certain honneur, par exemple celle de Rome, puisque c'est là que se trouve le chef de l'Église universelle, mais Jérusalem aussi, parce que ça a été la première Église, l'Église de Constantinople aussi. Enfin, il y a quelques patriarches dans l'Église qui sont des évêques ayant une certaine primauté d'honneur en raison de l'histoire de leur propre diocèse dans lequel ils se trouvent. Il existe aussi des primats. Un primat, c'était un archevêque qui dirigeait un royaume entier ou une contrée déterminée. Aujourd'hui, les primats n'ont plus de ce pouvoir, ça n'est plus qu'un titre honorifique. En France, le primat des Gaules, c'est l'évêque, l'archevêque de Lyon. Il n'a pas de pouvoir, il n'a plus de pouvoir sur la France entière, mais il garde le titre. En revanche, il existe toujours des archevêques qui sont des évêques, mais qui ont un pouvoir sur plusieurs diocèses. Alors voilà, dans l'Église, il y a une quantité de titres honorifiques qui sont donnés en fonction des missions, en fonction des territoires. Bon, cela ne change rien à la constitution de l'Église.